Merci, Monsieur le Président. La démocratie et l'état de droit sont de plus en plus menacés dans l'Union européenne, avec en première ligne la liberté d'expression et l'indépendance des médias. Hongrie, Pologne, aujourd'hui la Slovénie, vient s'ajouter à cette liste déjà trop longue. Demain, quel autre gouvernement va créer une fondation dite autonome pour encenser son travail? Quel média indépendant va perdre ses fréquences de diffusion coupables d'informer? Quel journaliste sera victime de poursuites judiciaires malveillantes? Nous continuons à débattre, à dénoncer, à pointer du doigt, mais à quoi servent tous ces mots sans action concrète? Pourquoi tous les mécanismes que nous avons créés pour protéger l'état de droit ne sont-ils pas activés devant ces atteintes à la liberté des médias? Le 14 février dernier, avant de cesser ses émissions après décision du gouvernement, la radio hongroise Club Radio a diffusé l'hymne de l'Union européenne comme un ultime appel à l'aide. Madame la commissaire, les voies libres de l'Europe ont besoin de nous et nous avons encore plus besoin d'elle. Alors battons-nous pour préserver notre Union libre et démocratique. Merci.